Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer l'étude des nombres en faisant du calcul mental. Voici la bande numérique de 1 à 15. Nous avons déjà vu dans une précédente vidéo que lorsqu'on avance sur la bande numérique, à chaque fois on rajoute 1 de plus. Bien, je vais maintenant te proposer des petits problèmes que tu vas imaginer. Tu as 3 bonbons. 3. Ta maman t'achète un bonbon de plus. 3 plus 1. Cela fait 4. J'avance sur ma bande numérique. Juste après le 3, il y a 4. 3 et 1 de plus, ça fait 4. C'est très fin, c'est très simple. Un autre exemple. Tu as 7 feutres. Ta maman revient du magasin et t'a acheté un magnifique feutre argenté. Tu as 7 feutres et 1 de plus, c'est 8. Tu as maintenant 8 feutres. À chaque fois qu'on rajoute 1, le résultat, c'est le nombre qui suit sur la bande numérique. Pour les nombres jusqu'à 10, c'est très simple, on peut même utiliser les doigts des mains. Attention, maintenant, nous allons aller un peu plus loin sur la bande numérique. Cette fois-ci, tu as 12 petites voitures. Ta grand-mère t'achète une petite voiture de plus. 12 avec les doigts des mains, ce n'est pas possible, je n'ai que 10 doigts. Donc je vais regarder ma bande numérique, 12 et 1 de plus, c'est 13. Parfait. J'ai donc fait du calcul en utilisant la bande numérique. Mais la bande numérique, tu la connais, tu sais compter. Alors attention, maintenant, plus de bande numérique. Voilà, maintenant nous allons calculer sans la bande numérique. Tu as 5 sucettes. Ton papa t'en achète une de plus. 5 et 1 de plus. Je sais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après 5, il y a 6. J'ai maintenant 6 sucettes. Calculons un autre exemple. J'ai 14 poupées et j'en reçois une de plus en cadeau. 14 plus 1. Je compte 10, 11, 12, 13, 14, 15. Juste après 14, il y a 15. J'ai 15 poupées. 14 plus 1 égale 15. C'est un exercice difficile mais très intéressant. Allez, entraîne-toi à faire plus 1 en calcul mental sans les doigts. À bientôt !